Oh, oh God, I got. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play Final Fantasy. J'ai un peu galéré, pourquoi? Parce que pour le Sunday Log sur Black Ops 2, donc vous voyez, la sauvegarde s'appelle numéro 3, alors que normalement c'est la numéro 73, là ça s'appelle sauvegarde numéro 3, donc je re-sauvegarde au cas où, on sait jamais. Pourquoi? Parce que pour faire mon Sunday Log sur Black Ops 2 qui remonte à plus d'un mois, je crois qu'on va aller combattre un boss. Bon, je vais plus dire ce genre de phrase d'ailleurs parce que les gens en ont marre que je spoil. La musique est un peu trop forte pour moi. Mais non, je vais plus spoil, je vais plus dire ouais, bon, il y a ce moment qui arrive, etc. Mais bref, je disais pour le Sunday Log PS3, le BO2 ne marchait pas, il y avait un problème avec la console, du coup j'ai dû la formater. J'avais gardé mes sauvegardes, mais le problème c'est que. Je sais pas. Ouais, it appears you. Le problème c'est que mes sauvegardes ne marchaient pas sur le nouveau compte que j'ai créé. Alors, vite l'équipement qu'il a. À nous proposer. Ouais, elles sont mieux que les nôtres actuellement, mais bon. Ouais, bon, c'est pas. Your patron, all proceeds will go to help. Ok, on m'a dit aussi dans les configurations invocation, au lieu de mettre normal, on va mettre abrégé. Comme ça, déjà, ça prendra pas trop de temps et sinon, ça va être good. Ah, mémoriser aussi, on m'a dit de mettre ça. On, sous-titre on. Bon, voilà, c'est good. Et vous pouvez voir le chat du live. Bref, on leur parle à eux ou pas? Ouais, non. Ils vont être chiants, je pense qu'ils vont raconter leur life. Et donc, je disais, ouais, par rapport au Sunday Log PS3, du coup, j'ai reformaté ma PS3 et quand j'ai mis les nouvelles sauvegardes sur mon nouveau compte, ça ne marchait pas. Ça me disait un message d'erreur. Oh là, je crois qu'il faut sauvegarder. Là, on va. Ouais. On va rien faire, je vais rien dire. Ouais, désolé, c'est un tic, forcément. Je pense à. Ah, je me remémore. Bah, mon jeu hein, que j'avais fait à l'époque. Ok, je suis parti trop dans mon délire, faut aller faire ça alors que pas du tout. Je pense qu'il faut que je parle un peu à tout le monde, donc ce qu'on va. Ouais non, peut-être pas, eux ils doivent être inintéressants. Mais plus voir dans le cockpit, etc. Je me rappelle pas à qui on avait parlé. C'est que le truc des Albed là c'était détruit. Ah, coucou toi. Look, I'm really tired. Leave me. Ok, je voulais juste parler tranquille. Ok, elle me dégage normal comme ça. Putain, ils savent tous qu'on est fragile, quoi. Ils savent tous qu'on est une petite victime. Faut savoir, tu me dis de me barrer et au final. What would you think if I said I was giving up my pilgrimage? Que t'as bien raison, voilà. Unusual. Most people would never forgive a summoner who quit. Why is that? Behind my back, they would say I was abandoning my duty. So, who cares? Why not do your own thing, and let them say what they want? Easy for you to say. But, you do have a point. Maybe Bartello and I should go someplace far away. Avec Bartello, oulala. Et bref, Capet m'a résolu mon problème, parce qu'en fait, son ancien, enfin sur le compte que j'avais où mes sauvegardes Final Fantasy, d'accord, lui, il parle pas notre langue, ça sert à rien. Peut-être lui, il a une bonne tête. Je n'avais pas de compte PSN dessus, c'est-à-dire que c'était juste utilisateur 1 quand tu fais créer un nouveau utilisateur. Et voilà, c'est tout, parce que j'avais pas besoin d'Xbox Live, donc pas besoin de me créer un compte. Parce que beaucoup me disaient, oui, il faut que tu te rappelles de ton mot de passe de ton compte, mais non, j'avais pas de compte PSN, donc du coup. Je pouvais pas récupérer mes sauvegardes et du coup il a hacké en quelque sorte, c'est à dire que c'est comme si là vous aviez une sauvegarde et que vous vouliez me la passer. Et bah voilà, c'est un peu le système qu'il a utilisé pour que je puisse réutiliser ma sauvegarde. Et je le remercie parce qu'il m'a vraiment sauvé, sinon j'avais un nombre d'heures à refaire. Would you seek to stop her pilgrimage? Of course! If she continues this fool pilgrimage, she will die. Sure as if you killed her yourself.
No harebrained law or teaching can send my little niece to her death. When I save her, I'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice. Even against her will? Better than a dog's death. And I'll take down anyone who don't agree. You are the captain. Well, the captain. Good! Then it... ouais, c'est bien. He called Yuna his, niece. Ah oui, ça, ouais. So that makes her our bed, right? Don't say it. Yuna's Yuna, right? Ouais, c'est des Amélie. No matter what happens, you... Ouais, c'est bien. First, we rescue Yuna. Let's show him what we got. Ok. Legyuni Achan Bem Kuneshka. Pourquoi elle parle à la bête elle d'un coup là? Elle est sérieuse? On peut pas descendre sérieux? Ah, je crois qu'il y avait des. Non, d'accord, on peut aller parler qu'à lui. Vidran! Fafoit Yuna! Frana! FM Krufui! Yuna! Donc là, il a repéré Yuna, let's go. Ouais, c'est vrai, j'ai pété un peu la chemise, etc. Non, parce que je vois. Propose un contrat de blitz à Waka et Frangin. On verra ça après quand. Oulala. Oulala. Where was that? The palace of Saint Bevel, heart of Yevon. Gramps, let's move! Easy, kiddo. Bevel's defenses are top-notch. What's the matter, Gramps? You scared? J'adore la cinématique qui va arriver. So we go and get her. Enfin, quand... C'est pas du spoil, pas du tout, mais j'ai le droit de dire que la prochaine cinématique qui va arriver, je l'aime bien. Voilà. You got guts? La cinématique où ils vont sauver Yuna. Look. It'll take a while to get to Bevel. Meanwhile, we prepare for genre, il s'est réveillé en mode beau gosse. Le mec, il est tombé comme une merde, il s'est réveillé genre... Ouais, let's go. They grabbed Yuna back in the Sanubia Desert. One of the Guado squads that attacked home found her. Ok. What's Seymour doing alive? Didn't we take care of him in Makalania? He is dead as Jiskel was. His attachment to this world kept him from the next. Whoa, scary. Yuna must be trying to send him. Wonder if that'll work. Perhaps he won't expect it. Encore. Si je reparle là, il est encore dans la discussion? Ok. Okay. The city of Bevel is built on the water. There may be underwater fighting. You or Riku should study your magic, just in case. Mais tu comptes le travail comment? Y'a pas de monstre à combattre, hein. I'm glad Yuna's okay and all, but what's with those fancy clothes? It's called a wedding dress. What? Oh. On sait good? J'ai parlé à tout le monde, let's go, non? Wedding my bridges. Now, those Yevon rockheads! Ok, bon. Ouais, la cinématique dont je vous parlais, elle est pas pour tout de suite finalement. On a des choses à faire avant. Some of the Guado that attacked home must have snuck on board. You're awfully calm about it. I am calm about most things. Fiends, there's nothing to do but... But destroy the ship and all go down together. You gotta learn a little restraint, Pops. If you crash the ship, we can't go rescue Yuni. Leave the fiends to us professionals. Yeah, let's go. T'es pro, t'es pas pro, j'en étais là. Thanks. Riku, you've made some very good friends, I think. Good luck.
pas si vous avez remarqué, là, on fait des accents anglais assez. Assez d'immigrés un peu, genre. Ah, mais c'est vrai. On fait des. Je sais pas. Good luck. C'est pas un good luck, tu vois, de pur. Pur anglais américain. Guado. Ah d'accord. Ok. Non j'essaie. Ah attendez parce que là, du coup. Ah mais on voit bien les vies en fait. J'ai peut-être pas besoin de bouger ma cam non. Parce que je voulais la mettre là pour les combats. Mais finalement on voit quand même. Bon vous voyez pas les MP mais bon je vais la mettre comme ça mais au cas où si j'oublie de temps en temps. C'est pas trop gênant en fait. C'est limite mieux qu'elle soit à droite finalement que à gauche. Parce que je sais que ça en gênait pas mal. Mais c'est normal d'ailleurs. C'est quoi sa faiblesse à lui déjà? L'eau? Non, la glace. Je me rappelle maintenant la cinématique, t'as raison, elle est énorme. Ouais, lui il va redonner de la vie. On va prendre le Kagalo. Kagalo! D'accord, on peut pas attaquer. D'accord, ça compte comme un tour de changer d'arme. Ok. Donc là j'essaie de débloquer tous les overdrive. Petit juste c'est bon là maintenant, je le changeais. Au cas où on combatte un boss, qui sait. Ah oh, d'accord, ils ont tous les overdrive déjà. Ok c'est good. Ils m'ont dit de monter la petite récu. Donc on va monter la petite récu. Est-ce que si je lui vole, il grossit? Non il grossit pas. Nickel. Glacier plus. Hop, on continue de voler. Les objets qu'on vole avec Riku vont nous servir à mort pour la suite. Genre bah pour son overdrive par exemple. Et elle va faire masse de dégâts. Il va pas exploser là, encore. Il grossit non? Voilà. Oh il est gros. Il fait mal notre. Oran a pris le type. Oh j'ai pas eu. Oh on a pas mis Waka. Dommage. Ok donc là du coup on a des combats jusqu'à ce qu'on trouve le. On trouve le méchant Guado, c'est ça? D'accord, je sais pas ce que tu m'as dit, mais vas-y, hein, si tu veux me passer des potions comme ça. Ah, voilà. Now there's a rare sight. Wow, that's huge! What is that? The guardian worm, Evray. The great sacred beast, protector of Bavel. The red carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bavel. Riku, you read me? We're gonna fight that thing. Get on deck and show him what you got. Go! Okay, let's go. The ferryman asks a high price. Bon, allez, on va se garder avant quand même. Ne sous-estimons pas notre adversaire, voyez-vous. Il a l'air un peu gros ce dragon quand même. Ta cam, ouais.
Ouais, du coup, vous avez pas lu, vous avez pu. Voilà, c'est pour ça que je veux garder ma cam comme ça, parce que à chaque fois je vais oublier sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vouliez pas. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est juste qu'ils vont combattre le gros machin, quoi. Et qu'en fait, ce dragon-là, c'est le protecteur de Bevel. Bevel, là où nous nous rendons, où Yuna est actuellement en train de se marier avec notre ennemi Seymour. Parce qu'ils l'ont capturé. Et du coup, on va le combattre. Et du coup, maintenant, je vais tout le temps laisser la cam à droite pour être sûr de ne pas oublier. Vous voyez ? Parce que je pense que c'est plus important que vous voyez ce que les gens disent, enfin que vous voyez les dialogues, que le nombre de mana qui me reste. Parce que là, la cam, là, en combat, elle bloque juste. Vous voyez juste pas. Parce que j'ai vu tout à l'heure, vous voyez quand même bien la vie, vous voyez juste pas le mana, quoi. Et donc, moi, j'aurais plus de mana, je vous dirais. C'est pas vraiment. Tu vas galérer, Xiao. Ok. Le mec, tu viens sur le stream. Ouh, il va galérer là. Bon, allez, salut. Bon, alors, déjà, on va commencer par essayer de lui mettre. Ah, d'accord, il fait des attaques à 1300. Ok. Ok. Ah non, on va pas se sacrifier. Ah, mais il rattaque pas avant le prochain tour. On va essayer d'abord de mettre The Goat. Vous pouvez modifier la distance entre le vaisseau et Frey à l'aide des astuces sur approcher Solani. Le seul The Goat avec qui peuvent les utiliser. Le commande ne prendra effet qu'au tour d'action de Sid avant lequel vous pouvez encore l'annuler si jamais vous changez d'avis. Ok. D'accord, donc faut toujours avoir Riku juste avant Sid. Et Sid, de son tour, il arrive juste avant le boss pour s'éloigner. Ok. Bon. Est-ce qu'il est immunisé contre ça, vous pensez? Ouais. Bon, je sais pas si. Parce qu'il y a marqué raté, mais je pense qu'il est immunisé. J'en sais rien. Dites-moi dans le chat. Du coup, on va mettre le coup. Si on lui dit de s'éloigner comme ça. Je crois qu'en fait faut s'éloigner. Ouh, ça c'est cool ça. Déjà on va lui enlever un quart de sa vie. Ok, ça ne marche pas non plus. Bon, il a 32 000 de vie, on peut pas lui enlever un quart avec une attaque. Bon, c'est pas trop grave mais bon. Ah ouais, mais non c'est pas bien de s'éloigner en fait hein. Bon, on va se booster. Parce que vu comme ça, nous on pourra tout le temps donner des ordres chaque tour. Elle, on va mettre un Waka. On va tout essayer. Qu'est-ce qui marche sur lui? Ouais, oh, il est immunisé contre tout, c'est ça? Hmm. On va essayer le à coup sûr cécité. On va voir s'il est immunisé ou pas. Non, ça marche. Cécité marche. Donc moi, je vais booster encore. Je vais booster Lulu. Parce que je pense qu'il y a vraiment que Lulu qui va faire masse dégâts. Oh, c'est bien ça. En fait, plus on s'éloigne, et plus. D'accord, il laisse pour l'attaquer autour de Sid. Ok, ça je savais pas. C'est parfait. Est-ce que je peux lui mettre poison? Poison, c'est plutôt cool aussi parce qu'à chaque fin de son tour il va s'infliger un pourcentage de. Non, je peux pas. Bon. Ça va, les flash bombs, ça fait pas tant que ça mal. Je pense que je devrais avec Waka plutôt lui mettre Morphée plus. Non, pas sommeil, silence. Parce que comme ça, s'il est loin, il pourra pas utiliser son attaque ou il nous attaque de loin. Ah, d'accord, non, il. Ok, pas de soucis. Je
Bah, sur le coup, est-ce que je nous rapproche ou pas? Parce que Sid, si je me rapproche maintenant... c'est la crise. Bon, je vais faire un sort de tapette. Parce qu'en fait, Sid, son tour, il est après le dragon. Du coup, si je me rapproche maintenant, le dragon va faire une attaque avant que... booster Waka, je crois que c'est lui qui fait le plus de dégâts ce monstre. On va mettre un petit overdrive de Waka hors de portée, d'accord. D'accord. C'est... comment je fais pour R2? C'est pour voir les tours. R1. Acide me rattaque. D'accord. Bon, je pense que je vais mettre Riku. Je vais dire de se rapprocher maintenant. Là c'est à lui. Là, il se rapproche. Et on va mettre des gros coups avec Euron et tout. Là on va mettre tous nos overdrive avec tous nos persos. Et après on se rééloignera. Il fait peur de près quand même, hein. Hop, escrime. Flip flap. ok. Ah, comment on fait déjà? C'est les deux joysticks, c'est ça? Ouais. Là, si on regarde que la cam, ça fait bizarre. Ma main là, je la vois là, sur le live, ouais. On va mettre l'overdrive. Oh, Ron n'a pas son overdrive, d'accord. On va mettre l'overdrive Waka. Est-ce qu'il est toujours boosté? Ouais, je crois. Bon. On a 10 secondes, on peut prendre notre temps. On va faire bon, le premier au pif. Blanc, d'accord, faut du blanc. Ok. Mais je pense que plus on va vite et plus ça fait du dégâts, non? Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre un petit overdrive. Alors, divise l'HP de tous les ennemis par 2. Oh, c'est stylé ça. Ouais, j'espère que j'ai fait un bon mélange. Nega Burst. Non, je savais que ça marcherait pas en plus. Oh. Oh non, non, pas mal Lulu. En plus, on a personne pour soigner. Il peut la tuer ou pas? C'était n'a pas marché. Là, il a marché. Ah, il fait mal au Ranocien. Est-ce que la petite Lulu elle va se soigner du coup? Parce que là on n'a pas notre petite Yuna pour soigner tout le monde, hein. Donc ça, ouais, déjà on va se remettre à Natwaka parce que là il va attaquer deux fois. Bon, on lui a enlevé que 10 000 pour l'instant en HP. Oh merde, c'est tout. Ah, oh, moi je voulais pas faire ça, moi je pensais qu'il allait balancer son ballon et que ça allait faire un vol de vie. Il a toujours cité. Bon, on va les mettre silence, hein.
Comment on fait là? Parce que là, s'il nous fait encore ça, on est fichu là. Hein. Bon, remède, ça marche, non? Let's go. Ah. Oh, on a obligé d'utiliser le queue de phoenix. Ah non, d'accord, c'est qu'elle a carrément été dissoute, quoi, la Lulu. Ok. On a plus Lulu jusqu'à la fin du combat. Au calme. Au plus grand des calmes. On va remettre The Goat. Et Ah du coup il est plus boosté notre Waka. Il est entre boost. Ok, on va s'éloigner maintenant. Oh là là, sauf qu'on va s'éloigner, le problème c'est que... Non, ça vaut mieux que je le garde, je vais faire juste des attaques basiques parce qu'il me reste que 8 de mana avec Waka. Ouais, on va juste, en fait, avec notre Tidus, ouais, enfin notre The Goat. On est tous les deux empoisonnés là, sérieux? Lui il est chiant à battre quand même. Hein. En fait j'ai mal fait mon combat. Enfin, je l'ai mal. Je retente parce que quelqu'un m'a dit dans le chat que je l'ai raté mais que ça pouvait marcher. Ça va pas y arriver, le believe les potes, le believe. Non, flash bomb ça va, ça fait pas trop de dégâts. Ça serait bien si je retentais. Non, je pense pas que je puisse hein mec. Hein. Bon, on lui a enlevé la moitié, mais bon. On a pris cher pour cette moitié. Missiles, c'est bien ça, balancer des missiles. Voilà, de gros missiles, voilà, ça qu'on veut voir. Il reste plus qu'un missile. Ouais, je reste une dernière fois. Parce que j'ai le believe, tu vois. Tu m'as pas dit une connerie. Bah non, mais si, tu m'as dit une connerie. Est-ce que Kimari, je peux... Je peux l'avoir d'ici ou pas? Non, je peux pas, on est d'accord. Hors de portée, ouais. J'avais pas eu le message, pardon. Oh,
Bon, en fait, là, je le mets juste pour qu'il ait de l'XP si on gagne la game. Ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'à base d'attaque de 500, ça va être un peu la clé. Bon, c'est bon, Kimari a fait son tour. Oh là, des missiles. Donc là, on a plus de missiles, c'est ça, donc ça sert à rien de s'éloigner. Attends, il vient de se booster lui là. Il va attaquer toutes les deux secondes. Sérieux? Bon, je pense que celle-là. Celle-là, ça va être la crise, les potes. Allez, on met des potions, let's go. Ah, mais non, c'est vrai que lui il est empoisonné en plus, putain! La crise! Ah, là ça peut peut-être marcher là, pour le coup. Vu qu'il s'est boosté. Ah, là ça a marché. Parfait, piqué. Ah, mais de toute façon j'allais nous rapprocher, mec, hein. Oh non, t'as pas besoin de venir comme ça, hein. Oh oh. Oh, ça va. Oh, s'il fait des attaques comme ça, ça va en fait. Non, 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 pas de regard pour franc, non. Mais non, mais non. Arrête de te booster, t'es sérieux ou quoi? Non, 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 tu te boostes pas, mec. Voilà. Attends, mais... Ah, il le remet automatiquement dès qu'en fait je lui mets ça? C'est une blague. Oh, carré X. Oh. On a fait hyper là sur ça. Bon, Oran va mourir, les potes. Bien joué, Wokar. Bien esquivé. Non, 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 non. Ouais, ok. Objet. Si tu pouvais ne pas nous one shot, ce serait cool. Surtout avec un. Non, mais ça va, il fait trop de dégâts, c'est pas possible. On a perdu. Putain. Oh, cette chance. Bah, ouais, non, mais j'ai pas eu la chance derrière. Bon, déjà, faut surtout pas qu'un de nos joueurs se fasse putain de pétrifié. Donc, allez, on reprend. On reprend. C'est la crise là. Non, c'est bon, je connais la musique et tout, je la kiffe, mais là, on n'est pas dans... Non, non, on n'est pas dans la musique, là, faut le poune, le mec. Faut revoir notre logique. Parce que nos persos, ils sont pas très forts, là, à ce niveau-là, quand même. Parce que, je me rappelle, sur... quand je l'avais affronté, il me faisait pas aussi mal, là. Là, il est trop fort comparé à nos persos. Donc, peut-être que j'aurais dû plus farm, là, en dessous. Il
En fait, on n'a pas vraiment une phase de farming. On a fait une vite fait de quelques minutes la dernière fois. Mais on n'a pas beaucoup. On n'a pas masse farmé. Hein. Du coup, nos persos sont le niveau normal qu'ils auraient à ce niveau-là du jeu. Quoi. On pourrait l'avoir beaucoup plus. Enfin, on pourrait avoir nos persos beaucoup plus forts et gagner plus facilement. Mais non, mais non. Ah mais il a plus booster du coup. Donc il a cécité, le silence ça marche pas vraiment. Est-ce que j'ai un Riku, j'ai son overdrive, il peut faire grave mal. Non, oh, je continue à mettre des dégâts je pense. On a encore deux attaques à résister. Je pense que l'overdrive de... Ah mais j'ai mon flip-flap aussi avec lui. Oh merde. Voilà. 2400. On va mettre vite fait l'overdrive de Riku. Riku. Bon cette fois on met pas... On met des trucs sur le marché. Attaque élémentaire de feu. Attaque élémentaire d'eau. Bon allez, on va faire ça. On a depuis l'appel. Oh, que 1300. Voilà, Rick Crow est sur one shot en plus, je pense. Ah, même pas. Même pas, même pas, même pas. Il a combien de vilains? Oh putain. C'est chaud. Parce que là, je peux. Il lui reste 3500. Je l'attaque, je pense qu'il lui restera 1700. Le problème, c'est que là, Auron. Il meurt pas forcément, mais s'il nous fait encore une attaque de zone dégâts avec son truc là, on est mort. Donc on va plutôt assurer, je pense. Faut que Owen survive là, faut qu'on joue pour Owen, tu vois. Donc il est toujours en mode booster. Donc là, ce que je vais faire, c'est maxi potion. Non, méga potion. Donc là regardez, je pense que Tidus, enfin The God va perdre 800. Ah non, 480, d'accord, en fait ça s'est fait en fonction des pourcentages. Bon, parfait. Oh, il attaque à 3000, sérieux? Putain, est-ce qu'il va réussir à faire une attaque à 500 ce con? Oh mais c'est au tour de run après. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Par contre s'il le tue pas là... C'est bon. Vous voyez déjà ce combat était beaucoup plus facile, on l'a mieux pris. On a même pas eu besoin de s'éloigner pour les missiles. Ah c'est good. Et normalement tout le monde va expé en plus. C'est parfait. La grosse erreur qu'on a fait au combat précédent en fait c'était de... C'était de laisser... Lulu qui était en mode statue là se faire tuer en fait. Parce que tu peux pas la ranimer. Du coup t'es en 2v. Enfin t'es en 2v1 mais je veux dire si tu combats pas à 3 dans ce genre de combat dans ce jeu là, c'est mort quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah il fait mal au vaisseau hein. Vous êtes prêts les potes ou pas? Vous êtes prêts? J'enlève ma cam là pour le coup. Est-ce que vous êtes prêts au débarquement là?
Genre cinématique, j'adore. En plus, je les trouve trop bien faites. Hein, pour un... Et, rappelez-vous, les gens, que c'est un jeu PS2. Hein. PS2. Hein. Et cette qualité à l'époque PS2. C'était. Magnifique, quoi. Magnifique. Ouais, normal, hein. Normal. Bon, nous sommes arrivés à destination. Je la trouve belle, la cinématique. Mais ça vaut pas la prochaine cinématique. Pas celle-là, mais enfin, une prochaine cinématique qui arrivera. Dans une petite forêt. Je n'en dis pas plus, sinon je vais encore me faire insulter pour spoil. Stay right there, Seymour. Ouah, mais attends, ils ont plus toute leur ville, hein. Wow. Ah d'accord, donc en plus, notre dernier combat... Il joue, quoi. Oh bah, GG, Gotha, GG, magnifique quoi. Ah, par contre, lui il fait one shot. Armé d'un lance-flamme. Et alors? Armé d'un fusil. Oh là là, j'ai même pas assez pour un one shot 1 quoi, sérieux? Et le fusil il inflige combien? D'accord. Ah lui il rigole pas lui, tu vois. Bon, du coup on a pu utiliser des petites potions hein, j'ai envie de vous dire. J'en ai 4, j'ai des potions plus, j'en ai 47 des potions plus. Ouais, on a tellement. Faut choisir mon équipe de base. Oron, il one shot. The Gok, il attaque en premier. Lulu, elle va pas faire grand chose pour le coup. Est-ce qu'on a des machines au prochain? Non, pas de machines. S'il y a des machines au prochain, on mettra avec lui. Je pense qu'elle est one shot. Enfin, ça dépend. Attends. Utilise Mawashigeri quand il se retrouve seul. Il faut l'éliminer en premier, non? C'est quoi sa faiblesse? Le feu et l'eau. Ok, je pense que Lulu marche mieux contre lui. Ouais d'accord, faut l'éliminer en premier pour pas qu'il utilise son... Mawashigeri. Vous voyez. C'est tout. Et lui il fait combien? Comme 500. Ça va, ils font pas trop de dégâts. Merde, oui ça, ça se rappelle du dernier mouvement. C'est la glace que j'ai mis tout à l'heure. Oh là là.
Est-ce que ça enlève un pourcentage de vie à lance-flamme ou un ou des dégâts sûrs? Ouais non, des dégâts sûrs. Faut pas aller trop vite en fait. Oh putain, c'est vrai que je me rappelle pas. Putain. Deux fois que je fais la connerie, deux fois. Hein. Ah bah là il est bien boosté le Oren du coup. Hein. Ah ouais, il en a reçu trois. Du coup les potions des familles qui nous servent. Hein. On va devoir tous les combattre comme ça là. Remember, cut the ones that matter. I know. Ah ouais, mais bon. C'est le plus gênant. Allez, dégage. Prochain tour. En fait, c'est normal, on se prend des balles comme ça et pff, on nous en fiche que 200 quoi. Oh non! C'est pas lui que je disais. Je le tue là, on est d'accord. Enfin, 800 au moins. Voilà. Toi, tu es une petite merde. Ouais, faut vraiment que je farme mes persos. Hein. Je pense que je le ferai en off après cette série d'épisodes. Je vais les booster un peu. Faut que je prends un petit point. Mais je sais qu'avec le vaisseau, au moins, on peut aller. On va tout droit, non? Ou on les élimine un par un d'abord? On va aller tout droit, allez. Ça se trouve, ouais, non, vaut mieux éliminer celui de droite avant parce qu'en. Ils sont chiants là les lance-flammes, mais l'autre là, son Mawashigiri, je suis sûr, c'est un truc qui one-shot, qui fait masse dégâts. Ah, je crois que je peux tuer les deux autres avec. Allez, j'ai appuyé. Je pense que je vais tuer. Ouais, voilà, ouais, exactement. Alors, on va prendre la petite Rigeku. On va aller lui voler pour voir. Que ça fait. Ah oui, c'est vrai, il est tout seul. Voilà ce que ça fait, Mawashigiri. C'est pour ça qu'il faut pas le laisser tout seul, vous voyez? Parce qu'il l'utilise encore deux fois et. Et c'est fini, quoi. Élimine pas Oren, s'il te plaît. Ouais, lui dégage. Ils reviennent après quand même, hein. On est d'accord, hein. J'ai pas envie de faire les prochains combats en V3. Hein. Voilà pourquoi faut l'éliminer en premier, lui. Parce que j'en étais sûr qu'un Mawashigiri c'était un truc qui faisait grave mal. Vous arrêtez un peu? Vous êtes sérieux? Ah, ça, ça marche ou pas? Ça marche, parfait. D'accord, faut d'abord éliminer les trises. Bon. Mais faut pas. Normalement, à ce niveau-là du jeu, je dois aller one shot avec chacun de mes persos. Ces petits bonhommes là. Oren il one shot, mais Oren il est arrivé plus boosté que les autres en fait de base dans l'équipe. Et c'est le seul je crois qui fait toutes les games, enfin qui combat tout le monde. Oh bon, d'accord. Bon bah lui c'est sûr on le tue. À moins qu'il a un truc pour attaquer direct après. Il est en mode lent, je sais pas si vous voyez en haut à droite là le nombre de tours que j'ai avant qu'il attaque. Ah oh, je peux faire jouer tout le monde hein, du coup. Hein. On va booster tout le monde, hop. Est-ce que je le tue? J'espère que je le tue pas. Oh, c'est good.
pour booster nos persos que je fais ça. Parce qu'en fait, que je les fasse jouer ou pas, enfin, par exemple, si Kimari je le mets ou je le mets pas, les autres gagneront le même en fait. Genre, c'est pas comme Pokémon où plus tu mettais de. Plus tu faisais participer de Pokémon et plus ils se partageaient l'XP. Là, non, en fait, ils gagnent autant. Du coup, autant mettre tout le monde. Même si on perd plus, un peu plus de temps. Comme ça, ils montent tous. Non, sérieux. Je montrais les niveaux durant la pause entre les deux épisodes. J'aurais peut-être dû balancer quelques potions quand même. Je crois pas qu'on combat ses morts, hein, mais. Genre là, vous avez peur de son pistolet à lui. Des pistolets de tout à l'heure, ils se sont battu les couilles, mais là, son pistolet à lui, genre, il est plus puissant. You would play at marriage just for a chance to send me? Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely wife. Stop! Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. Super préférence Pokémon. Ah ouais, moi c'est... Moi, Pokémon, voilà, c'est ma comparaison, tu vois. C'est mon enfance, Pokémon. Je compare tout jeu à Pokémon, tu vois. You are wise. Pas yeux verts et bleus normalement, parce que là elle a un œil violet plutôt. Bon, durant les cinématiques ils ont vraiment des têtes de chinois par contre, hein. Japonais je sais pas, chinois pour moi c'est pareil, voilà, si je reste. Ils ont vraiment des têtes qui changent par rapport au jeu, je trouve. I am sorry, but it is for Yevon. Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. Comment ça si je rate l'objet? No! Oh oh. Throw down your weapons. Let them go. Oh, genre, put down your weapons. Alors, ceux qui connaissent pas, c'était la phrase de Diablo Online. Put down your weapons. Donc si je rate l'objet, ah, donc c'était peut-être ça en fait. Les rives de droite et gauche, il fallait peut-être aller à l'une d'elles, c'est ça? Leave now, please. You're coming with us. Don't worry, go. This is foolish. If you fall, you'll die.
Après Yuna l'escarre. Ah, mais c'est dans longtemps. Ah ouais, d'accord, je pensais que vous parliez maintenant tout de suite à Bevel qui a un objet important à prendre. Il me semblait pas. Believe. Ouais, si, elle a un œil bleu, il est pas violet. Il était violet tout à l'heure, on est d'accord. Normalement, son œil droit il est vert et son œil gauche il est bleu. Putain, il faut aller celui. On a pas besoin de son bâton. Let's go, coups. Toujours là, qu'est-ce qu'il y a? Genre les ennemis eux, ils ont pas entendu cover your eyes quoi, c'est... Non non. What was that? An all-bed flash bomb. Let me go. I'm gonna kill that Seymour. Calme-toi. Yuna said leave. We leave. We'll join up with her later. Breakthrough. Where'd Yuna go? Bevel Palace is temple. Yuna goes to one place only. The Chamber of the Faith. Il y avait un truc de sauvegarde. Ah, moi je voulais le truc de sauvegarde là. Vous êtes mignon, mais. It's too quiet. A trap? Who cares? Yuna's waiting for us. What's a machina doing in the temple? I suppose it comes in handy. That's not what I mean! The teachings! What about the teachings? Hey, don't look at me! Putain, je peux pas. Bon, pas grave. On va continuer du coup. Bon, bah ça va être la fin de cet épisode. Pour ceux qui sont toujours sur le live, on continue juste après. Je vais faire une petite pause de quelques minutes. Et je reviens pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, on a un peu galéré face au dragon. Puis ça s'est beaucoup mieux passé. Puis après, il y a eu le baiser. Le tendre baiser. Ça se voyait qu'ils étaient amoureux tous les deux. Ah, bien sûr, on rigole. On va reprendre ça juste après. Je crois que... Non, je vais rien dire. Je vais dire je crois que machin. Mais non, j'ai compris. Il y en a qui veulent plus se faire quelque sorte spoiler. Mais voilà, la suite reste en tout cas. La suite risque d'être en tout cas passionnante. Voilà. Sur ce, tchuss tout le monde.